Salut tout le monde, ici Warlick pour vous servir. Comme vous pouvez le voir, j'ai des superbes lunettes. Alors, aujourd'hui, on va attaquer par ces lunettes qui sont absolument magnifiques, hein, y a pas à chier. C'est juste des jumelles de foresterie, je sais même pas à quoi elles servent. Elles se craftent très facilement avec un lingot de bronze et deux vitres. Je les ai fait parce que je trouvais ça rigolo. Donc du coup, on va ranger ça là-dedans. Hop, on va remettre son casque parce que quand même... Et aujourd'hui j'ai prévu des trucs, c'est déjà pas mal, hein, pour une fois. Et surtout, j'ai de l'avancement qui a été fait sur Ars Magica. Et bah ça a poussé en plus tout ça, je vais vous montrer. Mes légumes isolent, j'ai réduit le champ, ils sont tous en 10-10. Alors je les ai pas tous analysés, hein, mais ils sont bien tous en 10-10. Et regardez quand je récolte. Hop, un lovely, deux lovely, trois lovely, c'est de la chance. Hein. Un golden, hop, des guissoles normales, un lovely... Un lovely et un lovely. Donc, une fois qu'ils sont améliorés en 10-10, bah regardez, j'ai déjà un stack de lovely Gissel. Avec mon petit short là, je pense que je vais être tranquille pour faire mes chocobos. J'ai bien d'attaquer ça, mais on va pas attaquer ça aujourd'hui. Alors, j'ai un peu. J'ai utilisé un objet qui est un peu pété, je dois bien l'avouer, pour augmenter mes Ars Magica. Mes Ars Magica, n'importe quoi. Mes Magical Crops. Vous voyez, regardez. Ça. Enfin voilà, c'est pété. C'est complètement pété. Et en plus, c'est tellement facile à craft. C'est juste un arrosoir. Hein. Et vous voyez, je peux recommencer ma récolte. Et j'ai encore eu un golden, des lovely, encore un golden. C'est complètement pété. Mais au moins, ça va me permettre d'avancer bien avec les chocobos. J'ai fait pareil avec mes cotons. Vous voyez, j'ai un champ de 3 par 3. Et je vais les récolter. Ils sont tous en 10 par 10. Hein, c'est comme je viens de le dire. Et regardez, j'ai 36 cotons avec mon petit champ de 9 cotons. Donc ça, c'est bien sympa. Coton, si vous vous demandez, ça permet de... Ah, j'ai pas... Ah bah, vous avez vu qu'est-ce que je vais attaquer, mais c'est pas grave. Hop, hop, voilà. Je vais montrer qu'on peut faire de la laine avec et de la ficelle. Donc c'est quand même pratique, ça permet de pas se faire chier à aller tuer des mobs et tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que... Alors, j'ai mis un peu de mon arrosoir sur le... Sur... mince... Magical Crops, mais c'est pas ça marche pas, enfin ça marche mais c'est ça pousse pas vite, c'est long en fait, c'est à moitié chiant en fait. Alors par contre mes trucs, ils sont tous en 10-10, hein. Mais regardez quand je récolte, hop 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 hop, voilà, je récupère 6, donc aucun intérêt. Je pensais que j'en récupérerais plus, mais non, aucun intérêt. C'est pas grave, ça me fait quand même un peu de Nether Wars qui peut toujours servir. Mon dragon vert, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'avais tourné un morceau après, et j'ai enfin mon dragon vert qui a grandi. Ça, c'est quand même cool. Il est beau. Hein. Mon dragon noir s'est barré. Il s'est barré. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer avec vous. Tiens, hop. Je vais rester avec vous. Hop. Alors oui, hein, le dragon tient avec une laisse. Il n'y a pas de problème. Ah, je traîne mon dragon avec une laisse. Il n'est pas encore adopté. Hein. Je ne l'ai pas encore adopté. Mais normalement, à moins que... Je crois qu'en grandissant, ça a peut-être changé. On va voir. Et ça a changé. Eh ben, les dragons, au début de leur éclosion, ils traversent les murs. Donc faites gaffe, si vous faites un enclos avec votre bébé, ils traversent complètement les murs. Ils traversent les blocs. Ce qui fait que, on le voit un peu dans la coin de ma dernière vidéo, mon dragon noir s'est barré. Je croyais qu'il était barré et que je le reverrais jamais. Hein. Et en fait, regardez où il est. Il est dans l'enclos des vaches avec mon chocobo. Et bon, bah il est resté là, je l'ai laissé là. Je suis en train tranquillement de faire pousser mes pastèques et mes citrouilles pour les mettre en 10-10 aussi. Mon blé, mon demi-champ de blé là, il est totalement en 10-10. Alors du coup, quand je récolte 3 stacks, je crois, de blé juste avec ça. Donc c'est franchement génial. C'est hyper pratique. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Alors j'aimerais bien... J'ai pêché un peu. Sauf que la pêche est longue et c'est chiant. Du coup, voilà ce que j'ai récolté en pêchant. J'ai pas été très machin. Alors, j'ai un ro. Alors, celui-là, je sais que ça marche. On va le donner à manger au dragon pour essayer de l'adopter. Je sais que ça marche avec celui-là, mais celui-là, je suis pas sûr. Le problème, c'est que je pense pas qu'avec un seul poisson, ça marche. Donc, ce que je vais faire. Et ça marche pas. Ça marche pas. Dis-moi qui va m'aimer. Oh putain, c'est du premier coup? Ouh, on va essayer de lui mettre une selle, on va voir. Alors, un petit coup. Oh, si j'ai du premier coup. Alors, je sais pas si c'est obligatoirement du premier coup en fait.
Mais si c'est pas obligatoirement du premier coup, je l'ai eu du premier coup, ça c'est top. Alors je crois qu'il faut une selle normale, hein, y a pas besoin de selle spéciale. C'est bien ça. Selle. On va l'enlever à l'ess, on va la récupérer parce que j'ai pas envie qu'il se barre. Allez là. Ah, du coup, vu que je l'ai adopté, il me semble qu'avec un os, on peut lui dire de s'asseoir, ce qui fait qu'il ne bougera plus. Mais c'est pas ça qui m'empêchera de l'attacher parce que j'ai trop peur qu'il se barre. Ah bah tiens, regardez-le. Il me suit. Ah oui, c'est ça. Quand il est adopté, il vous suit. Ouais, et hop, avec un os, et voilà, il est assis. Oh putain, c'est trop cool. C'est trop stylé, quoi. Donc, on va garder ça sur nous. Tac, on va garder la laisse, on va mettre ça de côté. Et, premier envol du dragon. Presse E, F to fly. F. Pas F. Est-ce que c'est parce que je lui ai dit d'être assis? Ouais, je pensais ça. Ça veut dire d'être debout. Et F. Oh oh. Comment c'est les contrôles? Ah, voilà. Génial. Génial. Regardez, on vole. On a notre premier dragon qui nous permet de voler et qui nous permet de voir que mon ordi a du mal à charger les chunks. Ça, ça va être top pour se déplacer un peu quand on va pouvoir vouloir voyager. Ah, génial. On vole à dos de dragon, quoi. On vole à dos de dragon. Regardez-moi ça. C'est tellement classe. Yaha. Et du coup, l'autre touche, c'était quoi? Ah, c'est peut-être pour descendre. C'est tellement classe. Eh, franchement. Alors, ce qu'on va faire... Alors, j'ai envie de voir... je vais peut-être me rapprocher du sol avant de faire une bêtise. Hop. Est-ce que ça ferait pas un petit truc sympa, l'autre touche? Ce H, là, on va le mettre sur... ça, voilà, parfait. Ah, c'est pour descendre. D'accord, ok, c'est juste pour descendre. Très bien. Ok, ok, ok. Et du coup, oui, en fait, pour descendre... oui, en fait, je pouvais pas descendre, ça. Ok. Très bien. Et bah écoutez, on va le reposer notre dragon, on en a pas besoin pour l'instant. Donc pour descendre, j'ai dit que c'était cette touche, voilà, on va descendre comme ceci. Et voilà, on a notre premier dragon adopté. Hop. Mais, il ne serait pas vraiment adopté si on ne le renommait pas quand même. Donnons-lui un petit nom. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai... Oui, j'en ai un apparemment. J'en ai qu'un, regarde. Ok, alors on va lui donner un petit nom, mais moi je sais déjà qu'est-ce que je vais lui donner comme nom. Tout simplement, je vais lui donner le nom de mon Marvel préféré. Il est vert, et c'est pas par hasard. Et voilà, c'est Hulk. The Dragon Vert, notre Hulk. En espérant qu'on peut le renommer d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Maintenant que j'y pense. Ah bah oui, on peut le renommer. Regardez, Hulk. 62 HP. C'est génial, c'est super cool. Bon bah ça c'est une très très bonne chose de fait. Je pensais pas que j'y arriverais aujourd'hui. Je m'étais dit que j'allais devoir faire une grosse ellipse pour devoir aller pêcher un coup. Mais pas besoin. Ça c'est génial. On va dormir et on va continuer la suite de notre épisode. Alors là j'ai un peu de temps pour tourner aujourd'hui, donc c'est bien sympa. Je vais être tranquille. Alors par contre je l'ai attaché, mais je vais lui dire de s'asseoir. Parce que sinon j'ai peur qu'il essaye de me suivre. Hein mon coco? Ah regardez, il y a son nom au-dessus. Ah, oh, j'ai vu son nom vite fait. Là, voilà. Hein? Allez, mets-toi sur ces fleurs. Voilà. Pas bouger. On va garder toujours notre os sur nous. Du coup, je vais le mettre dans mon sac, tiens. Hop, je me suis mis un peu des outils si j'ai besoin. Des fois, j'ai besoin pour ma construction et tout. Et aujourd'hui, on va faire du Ars Magica. Et là, je me suis un peu... J'ai un peu potassé, je me suis renseigné et je sais ce que je fais. Ce qui est déjà pas mal. Donc, on va récupérer tout ça. Alors, déjà, je vais vous expliquer ce que sont les crafts. Non, je vous les ferai avec vous, en fait. Je vais tout récupérer, je vais les faire avec vous de toute façon. Donc je vous expliquerai pendant que je les ferai. On va commencer par quoi? On va commencer par la baguette. Hop. Alors, la baguette, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et les trois fers. Voilà. Crystal Orange. Donc, on a la baguette d'Ars Magica. Qui va nous permettre de lier une énergie magique à une autre. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Ensuite, on va se faire le petit truc qui était en or là. C'est comment dire? C'est un lecteur. Oui, ça peut être un lecteur d'énergie.
C'était pas la Ventum, c'était le Blue Topaz. Ça, ça va nous permettre de savoir combien il y a d'énergie dans un truc. Alors, je vais cliquer sur l'altar, là. Hop, sur l'altar. Et vous voyez qu'il a Light Ethereum 0, Neutral Ethereum 0, Dark Ethereum 0. Souvenez-vous, la dernière fois, j'ai voulu faire un sort de soin. Et j'avais un problème, c'est que j'avais pas de d'essence neutre. Et j'ai trouvé comment faire. Dans les versions que je jouais avant, c'était pas comme ça. Mais c'est pas plus mal, c'est ça a été simplifié. Hop, voilà. On met notre truc et on craft un. Ça doit être dans l'autre sens, j'imagine. Évidemment. Tac, voilà. On craft un obélisque. Qu'est-ce que l'obélisque? L'obélisque, c'est tout simplement... je vais le mettre où? Est-ce que je peux le poser directement là-dessus? J'ai peur que non. J'ai peur de casser ma structure. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter quelques blocs de quartz. Bloc de quartz. Je suis complètement paumé avec tous ces coffres. 3, ce sera bien. Hop. Ah, je sais ce que j'ai oublié de préparer. Mince. Ah. Je ferai peut-être une petite coupure du coup. Mais c'est pas grave ça. Ce sera juste le temps que je fouille dans les coffres. Hop. Tac. Et voilà, regardez, on a un obélisque. Et cet obélisque, vous l'ouvrez, il a un. C'est comme un four. Je vais y mettre mon. Ça, c'est un seau d'eau en fait, d'eau magique. Hein. Vous voyez, c'est de l'eau magique de d'Ars Magica. J'ai encore deux autres seaux dans mes coffres que j'ai récupéré l'autre fois. Je vais dire me faire des. Enfin bref. On met dedans et regardez, ça aspirait. Ça produit de l'énergie. Donc, on va vous montrer. Hop, regardez. Je clique dessus. Il me dit qu'il y a 1600. Et regardez, ça monte. Il est en train d'aspirer tout simplement mon seau d'eau. Normalement, ça va. Ah, ça monte même plus qu'à 3000. Je croyais que ça montait que jusqu'à 3000 avec le seau d'eau, mais apparemment non. Et ben ça, c'est pas mal. Et regardez, donc hop. Et vous voyez que lui, il a toujours 0. Ah, c'est bête quand même. On produit l'énergie là, mais elle va pas là. Et ben regardez, on prend notre Crystal Wrench. On fait juste un clic droit sur notre obélisque. On lui dit, envoie l'énergie où? Envoie l'énergie là. Pairing Success Fuel, il y a bien écrit en bas à droite, malgré l'armure qui gêne. Et, clic droit là. Et regardez, Neutral Ethereum 500. C'est monté à 500, ce qui va nous permettre de faire des sorts. Un peu plus évolués déjà. Qui va être sympa. On va regarder lui, tiens, combien il est monté. Il a 5000. Voilà. Il a 5000 et il a même pas encore fini de consommer. Et vous voyez, regardez. Ça consomme pas plus. Je pourrais très bien remettre un seau plein et ça ne consomme pas plus. Ça consomme ce que ça a besoin. Et c'est comme une batterie en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? On va se faire des sorts. Toc. Qu'est-ce que c'était que ça? Unfinished Spellbook. Ah bah, ça tombe bien, j'avais pas besoin de tous mes livres. On va se faire un sort de sur nous-mêmes. Un sort de heal. Tac. Un sort de heal sur nous-mêmes. Est-ce que... Bah parfait. Voilà. Tac, heal. Ok. Alors c'est ça que j'ai oublié, c'est de préparer les objets pour mon craft. Alors là, j'ai combien? J'ai 3 points et j'aurais envie... J'avais envie. Ça doit être dans Utility. J'avais envie. Ah mince, je crois que je vais pas pouvoir finalement, ça va être trop loin. Visibility. Je le vois même pas. Ok les amis, alors je vous retrouve. Je l'ai trouvé, mais j'ai pas assez de points. On va faire ça, ça. Et on peut même pas aller là. Voilà ce que je voulais faire. Je voulais faire un sort de lévitation pour pouvoir voler. Mais tant pis. De toute façon, je le veux. Donc c'est pas perdu hein, ce que je viens de prendre. Je vois que j'ai un truc pour ne pas sauter. Leap. Sauter plus haut. Et pas de dégâts de chute. Bof. Non, on va pas essayer. On va déjà se faire le sort de soin. Ce sera déjà pas mal parce qu'il nous faut déjà pas mal de trucs. On est déjà à 15 minutes d'épisode. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre sort de soin? Une blanque rune, de l'aume, de la vitam dust, un laser focus, c'est ça que j'ai oublié de crafter aussi. Un essence neutral, une rune, special. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Si je me retrouve dans mes coffres. Oui, la cobble, évidemment. Tac. On va se faire la blanque rune. C'est ça. Ouf, du premier coup. La green rune. Il nous fallait une green rune.
Je l'ai rangé par là, il me semble, voilà. Hop. Ben non, bien sûr, il faut le faire chauffer, je suis bête. Je suis bête, oui, le calamar que j'ai été chercher tout à l'heure pour me faire les livres. Tac, on va mettre un peu de charbon, ça marchera mieux. Tac, on va en faire deux, on va y remettre nos calamars et le minerai de fer, c'était juste pour consumer le charbon qui restait. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Une home. Mon coffre à fleurs, Il nous fallait une home. À quoi ça ressemble la home déjà? J'en vois, c'est ça, non? J'en vois pas, mais dites pas que j'en ai pas. Ça ressemble à quoi déjà la home? Ah, je vais regarder vite fait. C'est ça, il me fallait une home, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Hop, hop, blanc rune, home. Home, home, home. Home. Et il y a 15 000 trucs avec le home. Alors. Là. Home. Ah, j'en ai pas des comme ça, si. Ok, les amis, alors je sais ce que je vais faire. Alors, je fais ma green rune. Je vais mettre ça dans le coffre, donc ma green rune, mon blanc rune, mon spell parchemin, il est où mon spell? Spell parchemin, laser focus, oui le laser focus, je vous ai pas montré. Laser focus, voilà, tout simplement à crafter du verre, des golden nuggets, on va le faire vite fait. Tac, du verre, est-ce que j'ai du verre? Tiens, des blocs de verre, je sais même pas, ah si j'en ai, tiens, je ne m'en souvenais plus. Hop. Tac, le laser focus. Ensuite, Vintum Dust. Spell parchemin. Vintum Dust. Qui est dans le coffre magique. Une Vintum Dust. Toc. Et notre spell parchemin qui se craft de la façon que j'ai oublié. Deux sticks et du papier. Du papier, j'en ai là. Un qui traîne. Des sticks, je vais en avoir là-dedans. Dans tout ce bordel, non? Si. Génial. Hop. Hop, 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 hop. Et on a notre spell. Voilà. J'ai préparé tout. Il manque plus que le home. Et tout simplement, je vais aller en expédition. Hop, ranger tout mon bordel. Mes coffres à bordel. Ça, c'est mes coffres à bordel, hein. Et je vais aller en expédition. Je vais garder ça sur moi. Ça tombe. En expédition home. Je vais chercher du home. Et je vais prendre qui pour aller chercher mon home? Je vais prendre mon dragon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les faire en accéléré. Parce que je sais pas combien de temps je vais mettre à trouver mon home. Donc, je vous fais un accéléré. On se retrouve après. A tout de suite. Ok les amis, je vous reprends deux petites minutes. J'ai trouvé une météore bien bizarre. Carrément de la glow et tout autour. J'avais jamais vu une comme ça. Et regardez, il y a un coffre. Wow! Super cool! Meteor Time Detector. Et un peu de minerai. Et bah écoutez, c'est bien sympa. Et ben voilà, je vous remets dans le. Je vous remets dans l'accéléré. Et on va chercher cette home. Hein. Je vais juste miner ça vite fait, récupérer la glow, écoutez. A tout de suite. We'll be right back.
Ok les amis, on se retrouve. Hop hop. Je viens de me faire un petit fight avec les squelettes. Allez. Ouh, il est mignon. Oh là, salut toi. C'est pas mignon. Et regardez ce que je vois. Une home. Et en fait, j'ai été voir sur le wiki tout simplement. Hein. Des fois, je coupe le clavier pour rien du tout. Ça pousse particulièrement au pied des arbres. Pas de n'importe quel arbre. Hein. Ça pousse au pied des Witchwood. Des arbres d'Ars Magica. Et hop, on va faire notre petit. J'ai vu qu'il y avait un morceau de bois là-dedans. Là aussi. Hop, là il y a un bois. Là il y a un bois. On va essayer de récupérer une pousse, hein, tant qu'à faire. Et pas de pousse. Enfin, j'en ai peut-être à la maison, du coup, c'est possible. Attaque pas, hein. Bon, on va remonter sur notre petit dragon. On va retourner à notre base qui est par là. Et je vous retrouve dès que je suis à la base. Ok les amis, on se retrouve de retour à la base. Et on a... Tac. On a... mon ordi qui est en train de crier famine. Il n'en peut plus. Il a du mal à charger tellement il n'en peut plus. Mais c'est pas grave, on va finir l'épisode quand même. Ça va être bête de pas finir l'épisode. Hein. Du coup, cet épisode sera peut-être un peu plus long que les autres. C'est pas plus mal. Pour une fois, ça changera. Alors, du coup, j'ai mon home. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde. J'ai d'ailleurs récupéré un coffre, ce qui est une bonne chose pour faire ceci. Gardez notre os. Et oui, alors regardez, j'ai tué une witch et j'ai récupéré son chapeau. MDR. Je sais pas à quoi ça sert. Et voilà, j'ai un super chapeau. Eating. Ah, et Minecraft modé est quand même génial. Hein. C'est fou, c'est n'importe quoi. C'est génial. Hop, alors, du coup, nous on a notre home, on a tout ce qu'il faut. On va se faire ce foutu soin de sort. Où est le livre? Où j'ai mis le livre? Je l'ai laissé là-bas. Bah. Ah, peut-être. Ah oui, c'est vrai, je sais. Je suis bête. Hop, voilà. Donc, toc toc. On n'a pas besoin de faire passer la nuit. Hein. On va... Il y a plein de fleurs ici. Alors, on va commencer notre sort. Donc, pour commencer le sort, tout simplement, on lance une blanche rune. N'oubliez pas que j'ai relié l'énergie. Hein. Et j'ai oublié de mettre un... mon livre. Voilà, ça marche mieux maintenant. Le home. Tac. L'Avintum, tac, le laser plutôt, l'énergie. Vous voyez l'énergie là, vous dites, ouais, mais comment on sait? Et bien, le levier, il sert pas à rien en fait. Vous l'activez, regardez, magie, et voilà, il a aspiré l'énergie. On va regarder vite fait, et voilà. Et ça a même déjà récupéré l'énergie, le truc. Je vais me dépêcher parce que je sais pas s'il y a un temps. Hop, oh non. Non, j'avais mal vu. Il fallait deux homes. Ah, le boulet. Ah, il y avait un Witchwood ici. Ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous montrer la Moonstone. Je vous montrerai plus tard, c'est pas grave, dans un autre épisode. Y a pas de temps. Heureusement, il n'y a pas de temps. Donc, je vous ai fait un méga accéléré là, le temps d'aller chercher du home. J'ai eu les boules. Je me dis, merde, je vais perdre tout ce qu'il y a. On jette notre home et notre spell par chemin. Oui, on a notre sort de soin. Ah, enfin, merci mon dieu. Toc. Le ça va mieux. Voilà, hein, très original. Le ça va mieux avec un logo. Il y a des beaux logos, hein. Vraiment, c'est sympa. On met un petit cœur comme ça. On met lequel? Le plus, voilà, comme ça, il est bien. Et voilà, on a le ça va mieux. Et hop. Hop. Et ça va mieux. Et ouais, regardez, ça va mieux.
On le charge un peu. Hop. Alors on a le burn-out. Hein. La barre rouge c'est le burn-out. Hein. Ce qui fait qu'on peut pas spammer le sort comme un idiot. Et ça soigne. On a notre sort de soin. Oui, victoire. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Je crois qu'il n'y aurait jamais de sort de soin dans cet épisode. Regardez. C'est rigolo ça. Hop, on va refaire un coup. Donc vous voyez ma barre de burn-out hein, qui descend tranquillement. Hop, non, je peux pas encore. Là, je peux. Voilà, faudrait voir combien ça utilise. Je crois que ça utilise 20. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un petit commentaire. Tant qu'il est constructif, ça me va. Merci et bye bye tout le monde.